Alors qu'elle recevait la judokatée médaillée Amandine Buchard, sur le plateau de Quel jeu, sur France 2, Léa Salamé cesse d'attirer les foudres des internautes. Une fois de plus, l'attitude de l'animatrice et journaliste en a choqué plus d'un. Si est-il le nouveau rendez-vous proposé par France 2, pendant la période des Jeux Olympiques de Paris? Dans Quel jeu, une déclinaison quotidienne de Quelle époque, Léa Salamé, Laurent Luyat et Paul de Saint-Cernin reviennent sur les moments forts de la journée de Joe, en direct. Ce samedi 27 juillet 2024, l'équipe de l'émission accueillait les champions olympiques de rugby à 7, qui n'ont pas hésité à reproduire leur chorégraphie mythique sur la chanson Miami de Will Smith. Un show qui a particulièrement ravi Léa Salamé, impressionné par les rugbymen français fraîchement médaillés. Les showmen ne que c'est. Énorme, franchement on dirait des champions américains qui viennent enflammer un late show américain, a-t-elle lancé. Le lendemain, si est Amandine Buchard, la judoka française médaillée quelques heures plus tôt, qui était présente sur le plateau de Léa Salamé. L'athlète a tenu à évoquer les sacrifices qu'implique une participation aux Jeux Olympiques, pour commenter la détresse de sa consœur japonaise Uta Abe, éliminée en huitième de finale. On ne se rend pas compte de tous les sacrifices, tout le travail qu'il y a derrière, toute la pression, si est-il une légende là-bas, elle avait cette pression d'être performante ici, a-t-elle déclaré. Puis d'ajouter, nous on est un sport à catégorie de poids. À côté il y a des régimes à gérer. On doit avoir une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, de sommeil. À notre âge, des fois on a envie de profiter et on ne le fait pas. On voit notre adolescence passer très vite, parfois on ne la voit même pas parce qu'il faut être performant, ramener des médailles. Si est-il beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé loin de nos familles. Point Léa Salamé taclée par les internautes après sa sortie face à Amandine Buchard. Face à ses confidences bouleversantes d'Amandine Buchard, Léa Salamé a conclu, pour libérer la judokatée. Ça l'a détruite mais nous on retient votre sourire, votre victoire et votre médaille. Remontrez-la nous. On doit vous laisser partir, a-t-elle lancé. Une sortie qui a choqué les internautes, qui n'ont pas manqué de critiquer l'attitude de la journaliste et animatrice, sur X. Mais comment rester calme et sérieux, on souffle, aucune bienveillance, aucune empathie. En gros, le sport, si est-il ok d'en parler, mais seulement pour divertir, si est-il incroyable l'inhumanité de Léa Salamé, peut-on lire. Une nouvelle polémique pour Léa Salamé, qui s'était déjà attiré les foudres de la toile après sa sortie sur l'alcool face à Artus.